Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Maison de l'intelligence artificielle. Au nom du président Ginesi, qui est représenté par David Knopnocki, son vice-président, je vous donne vraiment les bienvenus. Notre cycle des conférences 2021 est fini avec une grande conférence qu'on a faite au Palais des Congrès à Antibes sur un thème de grande importance, IA et éthique. Un thème qui a été débattu avec Luc Ferry, qui a eu un grand succès. Et on commence notre nouveau cycle 2022 avec un autre thème d'une importance aussi grande, les enjeux de l'éducation. Parce que l'intelligence artificielle, nous tous le savons, on le comprend, il va avoir et va jouer un rôle d'une grande importance. C'est la raison pour laquelle nous, ensemble, département, Maison de l'IA, Institut Europia, UCA, Otesia, se sont mis ensemble pour être capables d'expliquer, sensibiliser les grands publics et les jeunes surtout sur les enjeux de l'intelligence artificielle. J'ai avec moi aujourd'hui une équipe formidable qui va débattre sur les thématiques de l'éducation qui représentent pas seulement notre département, mais on a le plaisir aussi d'avoir des intervenants de l'autre côté de l'océan, du Canada, particulièrement du Québec. Et pour vous les introduire, je passerai la parole au directeur de la MIA, Paul Sgro. Paul, à toi. Merci Marco. Bonsoir à toutes et tous. Donc, bienvenue à la Maison de l'intelligence artificielle. Alors, j'aurais aimé ce soir être te présent, mais voilà, petits incidents de la vie. Du coup, je serai à distance ce soir. En tout cas, je tenais à vous adresser d'abord tous mes meilleurs vœux pour une excellente année 2022. Alors, comme le disait Marco, c'est notre première conférence organisée à la Maison de l'intelligence artificielle avec l'Institut Europia. Et je tiens vraiment à remercier Margarida Romero et aussi l'Observatoire Otesia pour son soutien, qui est dirigé par Ludovic Di Biagio, pour avoir accepté de co-organiser cette première conférence de l'année sur le thème de l'éducation, qui est un thème cher hein, au cœur des activités de la Maison de l'intelligence artificielle. Alors, Margarida est professeure des universités à l'Université Côte d'Azur. Elle est professeure associée à l'Université Laval au Canada. Et elle anime le projet Getenum Scolia, qui a été lancé dans le cadre des travaux du laboratoire LIN, qu'elle dirige à l'Université Côte d'Azur. Alors, le laboratoire LIN, c'est le laboratoire d'innovation et numérique de l'éducation. Donc, la Maison de l'intelligence artificielle a parmi ses missions une mission essentielle d'acculturation et de sensibilisation du public les plus jeunes, donc des jeunes collégiens. Et je me souviens que quelques semaines après l'inauguration de la Maison d'intelligence artificielle en mars 2020, en fait, les premiers échanges que j'ai pu avoir, c'était justement avec Margarida et Thierry Vieville, qui est là aussi ce soir, parce que l'on réfléchissait à commencer à réfléchir à l'animation de cette maison en réfléchissant aux nouvelles approches éducatives pour le numérique et l'intelligence artificielle en particulier. Et c'est dans le cadre du lancement du projet Arc-en-Ciel qui est mené par la MIA et animé par notre chef de projet Florence Tressol que la MIA s'est lancée dans l'utilisation de ces nouvelles techniques pédagogiques pour acculturer et sensibiliser les plus jeunes. Donc, à ce titre, on est heureux et fiers de contribuer aussi un petit peu aux travaux que mène Margarida, à la fois parce qu'on s'en inspire surtout pour tout ce qu'on peut proposer à la MIA, mais également aussi parce qu'on peut offrir aujourd'hui un bac à sable assez intéressant pour les études qui peuvent être menées sur ce volet-là. Et à ce titre, on est aujourd'hui assez satisfait d'avoir accueilli pas loin de même plus de 3000 collégiens dans les derniers mois à la MIA et également avoir pu toucher pas loin de 1000 jeunes à travers nos actions hors les murs. Alors, l'IA dans l'éducation, bon,
Il y a plusieurs sujets qui sont à considérer. Donc, la formation, tout d'abord, des élèves, des enseignants. Évidemment, les notions d'éthique. Et puis, certainement, évoquer les travaux de recherche en sciences de l'éducation. Et donc, tout cela fait partie de l'agenda qui a été construit avec Margarida et dont nous allons parler tout de suite. Et donc, je laisse la parole à Margarida pour la suite de cette conférence. Merci. Merci beaucoup, Paul. Donc, dès l'introduction à tous les collègues de la Maison de l'intelligence artificielle, Autesia, l'Institut Europia et l'ensemble des partenaires, car voilà, c'est tout un écosystème avec lequel on travaille, donc, et tout un ensemble de collègues sur lesquels on est dans les groupes de travail numérique, donc IA, éducation et créativité, donc avec Laurent Geyser et Marina Rafalska, donc avec lesquels on mène des travaux de manière participative avec tout un ensemble de partenaires, rectorat inclus. Donc, on a ici à la salle également des collègues avec lesquels on travaille. Donc, avant de commencer à aborder cette volet éducation, parce que l'éducation nous concerne tous, même si voilà, peut-être une partie d'entre nous travaille à l'université, il faut quand même se poser la question de comment on introduit les petits depuis l'école primaire et comment on accompagne même en éducation tout au long de la vie pour démystifier des nouveaux objets technologiques, en tout cas des nouveaux termes, parce que l'IA, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Or, quand nous, on pose la question à des collégiens, ils disent, bon, IA, c'est un truc qu'il y a dans mon jeu vidéo. Oui, mais concrètement, c'est quoi? Je ne sais pas. Donc, au fait, c'est un truc duquel tout le monde en parle. Quand on est dans les INSPE, donc dans la formation des enseignants, c'est quelque chose qui apparaît encore comme étant très, très loin. C'est un sujet presque, on dit, ça ne nous concerne pas. Donc, or, ça reste un enjeu de société. Et donc, on va aborder, on va décortiquer un petit peu ces différents éléments avec tout un ensemble d'experts qu'on remercie d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Et la première personne à laquelle on va passer la parole, donc c'est un collègue que j'apprécie beaucoup, donc Gérard Giraudon, qui à la fois donc est président d'Educasure, donc tout un cluster dans l'écosystème autour de Sophie Antipolis, d'entreprises dans les tech, donc dans les numériques éducatifs, qui a été une des personnes aussi donc qui a été à l'origine du programme Smart EdTech, donc un master. Avec Thierry Vieville et avec la coordination de Sinclair Lefebvre et Dina Kurman. Et également, donc, quelqu'un qui nous a fait travailler, à la fois des collègues en sciences de l'éducation et des collègues surtout en sciences numériques, sur un rapport sur numérique, éducation et ses enjeux. Merci, merci Margarita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, je suis très honoré d'être là et de prendre la parole devant vous. À la fois pour rappeler un élément de base, c'est que ce territoire est très riche, on le savait, mais démarré très très tôt sur la problématique de l'intelligence artificielle de la formation, puisque en tant qu'Educasure et Inaria, nous avons organisé en mars 2018 déjà une conférence sur le thème se former et s'orienter à l'ère de l'intelligence artificielle. C'était le jour de la sortie du rapport de Cédric Villani. Et nous avons eu aussi l'honneur d'avoir donc Frédéric Vidal en vidéo qui nous a fait ce jour-là une petite introduction. Donc c'est un territoire qui est très sensibilisé sur ce sujet depuis de nombreuses années. Et on voit qu'en fait les choses s'accélèrent. Là, je vais juste sortir du territoire pour dire ce qui se passe sur le plan national, voire international. Donc novembre 2020, c'est 40 propositions des États généraux du numérique pour l'éducation organisées par l'Éducation nationale avec 5 enjeux autour de la formation au numérique et de la formation par le numérique. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur cette distinction qui est relativement importante. Les enjeux majeurs qui sont des enjeux de souveraineté à la fois sur la problématique des données et sur la problématique des logiciels. Je ne sais pas si on aura le temps d'en débattre, mais c'est vraiment un enjeu très important, sachant que si vous ne maîtrisez pas vos données et vos logiciels, dans ces cas-là, vous avez un problème sur la confiance et sur l'éthique. En novembre 2020, c'est également la sortie du livre blanc Inaria, Éducation et numérique avec enjeux et défis, sur lequel Margarida, effectivement, est co-auteur et co-autrice avec quelques collègues. Et on met un certain nombre de recommandations en avant, et dont une recommandation qui est il faut que la France se dote d'une université citoyenne et populaire pour former tout le monde à l'informatique et à l'intelligence artificielle. Donc, ceci a quelques échos dans les instances gouvernementales. Et juillet 2021,
l'État décide de lancer une stratégie d'accélération nationale sur enseignement et numérique. C'est la première fois que parmi les stratégies structurantes de la nation, il y a une autour de enseignement et numérique, avec trois grands volets, un volet recherche, un volet R&D transfert et un volet démonstrateur en conditions réelles. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais sur le volet recherche, Inaria copilote ce thème recherche avec la maîtrise d'ouvrage d'une infrastructure logicielle souveraine sur les notebooks Jupyter. Il y a 77 millions d'euros sur le volet recherche, donc c'est pour une fois un élément important et on a les moyens, si on arrive à travailler ensemble, bien sûr, de réussir ce passage et cet déploiement massif de formation au numérique grâce aux outils. Et puis, novembre 2021, donc c'est tout récent, le lancement du plan massif de formation à l'intelligence artificielle avec 700 millions d'euros à la clé. Donc pour rappel, le préfet Renaud Vedel est venu à l'Institut Europia faire une conférence sur sécurité. Donc c'est lui qui est un des patrons de ce plan, de cette stratégie nationale. Donc cette stratégie, alors il y a 6 volets, là aussi je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'est pour la première fois qu'il y a 700 millions d'euros sur la table pour faire une formation à la fois sur des aspects techniques pointus, en gros former les ingénieurs top niveau et les chercheurs, mais aussi une formation massive pour tout le monde. Parce que tant qu'on n'aura pas une société qui comprendra ce qui se passe derrière la technique, dans ces cas-là, on aura une société qui sera aliénée à sa technique. Et on voit bien que les fantasmes que tu as évoqués, Margarida, sur l'IA, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est, je suis manipulé, j'ai peur. Et donc, tant qu'on ne fabriquera pas la confiance, on aura des problèmes. Et tant qu'on, pour fabriquer la confiance, il faut que les gens soient en capacité, non pas de devenir des experts, mais de comprendre les grands enjeux qui se passent derrière et éviter de se faire manipuler, parce que l'enjeu massif, c'est la manipulation. N'oubliez pas que l'IA devient un objet de guerre, je le dis, c'est une guerre économique, bien sûr, mais c'est une guerre aussi, une guerre psychologique de désinformation massive. Donc les enjeux de notre société, de notre civilisation, de notre démocratie sont bien posés sur la table. Il faut s'en rendre compte d'où les enjeux importants, enfin les moyens qui sont aujourd'hui mis par l'État. Voilà ce que je voulais juste faire passer comme message. Margarita, je te rends la main. Merci. Donc, merci beaucoup, Gérard, d'avoir posé donc, tous ces enjeux sur la table, mais également d'avoir agi pour qu'il y ait des initiatives avec un soutien. Donc, je pense que de ses côtés, la France est en train de mettre les moyens donc, pour pouvoir avancer sur ces domaines-là. Et il y a eu, avec tout ce travail des États généraux du numérique et le soutien de la Direction du numérique éducatif, tout un ensemble d'actions. On tient, nous, à remercier aussi la Direction du numérique éducatif, donc... avec Elie Alouche, avant Alain Tillier, donc Axel également, car c'est aussi grâce à eux donc, qu'on a pu démarrer les groupes de travail, les numériques, créativité, IA éducation. Et c'est aussi un signe comme quoi c'est une problématique qui intéresse. Et pour tout vous dire, moi je suis toujours carte sur table, nous on n'est pas experts en IA. Mais on forme des enseignants. Donc, comme on forme des enseignants à la culture et aux compétences numériques en éducation, on s'est dit... Même si ce n'est pas un domaine qu'on ne maîtrise pas, c'est un domaine qui nous concerne, car on doit quand même, nous-mêmes, en tant que formateurs des enseignants en culture et compétences numériques, avoir un minimum de bases, donc se tourner vers les experts. Et là, on est allé du côté IRIA, donc avec Gérard Giraudon, Thierry Vieville, qui nous disent voilà, quels sont les enjeux. Ils ont fait des ressources, des actions donc, très bien développées. Donc, Thierry Vieville vous présentera après les MOOC IAI, donc intelligence artificielle avec intelligence, ce n'est pas juste un joke, ça a son importance et c'est vraiment une formation qu'on vous recommande. Et en base à ça, on se dit, ok, depuis une perspective éducation, on va se poser les questions de quelles sont les compétences pour les futurs enseignants, qu'est-ce qui pourrait être utilisé en classe, donc est-ce qu'il y a des solutions IA qui apportent de la valeur ajoutée ou pas. Est-ce que c'est juste quelque chose qu'on essaye de nous vendre et puis voilà, qui n'apporte rien. Et nous, on a un regard quand même sur les usages créatifs du numérique. Donc, on se pose souvent la question, est-ce que ça va engager les élèves dans une démarche créative ou est-ce que ça va simplement les brancher sur une solution qui va juste les conduire et leur donner des rétroactions. Donc, ça, c'est un petit peu les points de regard. Et je ne sais pas si vous pourrez montrer les slides. Donc, on tenait à signaler notre démarche, elle est toujours un écosystème.
Donc, un, parce qu'on a vraiment le plaisir de travailler avec tout un ensemble d'acteurs. Comme dit Gérard Giraudon, le territoire est très riche. Il y a beaucoup de compétences à tous les niveaux, donc aussi bien au niveau des 10 terrains, donc au kilomètre zéro, des enseignants qui font des très belles choses. Marina Rafalska ne peut pas être avec nous cause Covid, mais elle travaille avec un groupe d'enseignants à concevoir collaborativement des ressources avec les enseignants. Donc il ne s'agit pas uniquement de donner aux enseignants des choses à utiliser, mais elle conçoit avec les enseignants des ressources pédagogiques pour démystifier l'IA auprès des élèves. Et on travaille donc en coordination avec la DRAN, donc la Direction régionale du numérique éducatif à l'Académie de Nice, donc où il y a de très, très belles compétences. Donc ici dans la salle, on a Sylvain, mais on a aussi tout un ensemble des collègues donc, qui abordent cette thématique-là, tant au niveau collège qu'au niveau également lycée, et quelques expériences également en éducation primaire, et également avec d'autres labos et différentes instances. Et je voudrais peut-être signaler également Terra Numérica, donc comme étant un acteur clé dans également la fédération de ces différents acteurs. Donc je vais passer la parole à Laurent Heiser, donc pour aborder les enjeux. Donc Laurent, il est au pied du terrain également sur ces volets-là. Merci pour la présentation, et également je remercie l'AMIA, puis l'organisation qui est fantastique ce soir, avec une très belle réalisation. Et on est vraiment content de venir parler des enjeux éducatifs. Et je vais essayer de faire une focale plus précise autour de trois axes ce soir. Alors, le premier axe, Margarida l'a déjà évoqué, c'est qu'en milieu éducatif, évidemment, on part de choses très connues, c'est-à-dire la classe. On est dans un environnement qui représente bien, dans la forme scolaire, tout le monde est passé dans une classe. L'école a-t-elle évolué? C'est des questions qui sont débattues, mais on sait aussi qu'on va ramener cette problématique de l'intelligence artificielle dans des institutions qui sont rodées, qui existent depuis des siècles et des siècles, et qui existent même depuis 1830, et qui ont établi des normes très très précises. Alors forcément, les enseignants, la première chose qu'ils pourraient demander à notre assistant vocal ce soir, Scolia, c'est: est-ce que l'on va me former à l'intelligence artificielle? Alors la première réponse qu'on va leur donner, nous, au sein du laboratoire d'innovation du numérique pour l'éducation, c'est de leur dire justement: attention, immédiatement, il va falloir qu'on repère des usages. Alors, on a des éléments théoriques sur lesquels je vais faire une très brève incursion ce soir, mais pour vous dire qu'on est très au clair au niveau des chercheurs du laboratoire Lien pour dire qu'il existe des usages du numérique et de l'intelligence artificielle qui vont renvoyer à des usages passifs, c'est-à-dire des usages où les élèves consomment une ressource, mais sont en interaction avec l'écran, communiquent pas, mais sont en interaction, mais vont être relativement passifs. Et là, justement, par rapport aux outils et aux médias éducatifs qui vont pénétrer le marché, puisqu'il s'agit bien d'un marché, on va avoir des solutions dans différentes disciplines qui vont renvoyer des élèves à des usages passifs. Et donc, pour dépasser ce seuil-là, si vous voulez, on va aussi essayer de démontrer par la pratique, pendant la formation initiale, mais également pendant la formation continue et continuée, des usages créatifs qui vont développer des usages créatifs chez les élèves, de par leur expérience vécue en classe, une créativité individuelle, mais aussi une créativité collective. Je m'appuie en particulier sur le schéma de Romero, Laferrière et Power en 2016, et des usages créatifs collectifs et participatif, c'est-à-dire en lien avec des objectifs de développement durable. Je pense notamment à l'agenda 2030. Donc vous voyez que on va prendre une dimension qui est importante et qui va nous situer au niveau macroscopique, vers des enjeux de société, d'enrichissement, de citoyenneté. Et donc l'objectif des enseignants, c'est de dépasser le seuil du passif, c'est-à-dire d'imaginer des situations d'enseignement et d'apprentissage qui vont développer l'agentivité des élèves, et en même temps, ces enseignants-là, ils vont aussi avoir besoin de développer leur propre agentivité. Et là, on a un point fort. Nous portons tous un masque, la continuité pédagogique. Voilà. Alors, la continuité pédagogique, j'en dis quand même deux mots. On va s'appuyer sur l'expérience que ces enseignants ou ces étudiants qui se destinent à devenir les enseignants du 21e siècle de la continuité pédagogique pour leur dire: voilà,
vous avez réussi quelque chose de formidable, c'est de maintenir l'engagement des élèves. Et donc, immédiatement, on va leur dire, mais écoutez, si vous avez réussi à faire ça, vous avez relevé un défi extraordinaire, c'est de maintenir l'école en vie. Vous pouvez donc, et vous l'avez prouvé, vous êtes tout à fait capable d'embarquer l'IA parce que vous avez déjà développé cette capacité, cette inventivité, cette agentivité, et vous êtes allé au-delà de ce qui vous était demandé. Avec l'intelligence artificielle, très clairement, on va vous demander de sortir de vos objets traditionnels. On va vous demander de traduire le programme scolaire en des termes d'intelligence artificielle. Alors là, je vais parler plutôt maintenant du côté de la pédagogie, puisque mes travaux se situent à la croisée de mes recherches en sciences de l'éducation, en sciences de l'information et de la communication. Donc je ne parle pas d'une seule cité. Hein. Voilà, ce soir, j'essaye vraiment de m'inspirer de ce qui se fait en termes de pédagogie portée vers ces objectifs de développement durable. Donc j'inclus évidemment des chercheurs qui s'intéressent à la créativité, aux sciences cognitives, aux neurosciences évidemment, mais j'inclus aussi dans mes propos, vous l'avez compris, hein, des chercheurs qui s'intéressent à l'expérience, hein, et en particulier à l'expérience vécue. Voilà. Alors sans m'attarder là-dessus, donc, tout ça nous permet aujourd'hui d'imaginer avec les enseignants, de concevoir, de co-construire des situations d'enseignement et d'apprentissage qui vont embarquer l'IA. Alors, un enseignant va me dire, mais moi je suis professeur dans le primaire, qu'est-ce que je peux faire? C'est normal qu'il pose cette question. Moi je suis professeur dans une discipline, dans un collège et dans un lycée, je représente ma discipline, j'ai été recruté comme professeur de langue par exemple, donc comment je fais moi en tant que professeur de langue pour répondre à ces enjeux d'émancipation, hein, c'est-à-dire de développement des savoirs et des savoir-faire chez les élèves? Ça c'est une grande question et c'est un grand défi à la fois pour la recherche et pour les formateurs. Alors je vais essayer d'y répondre rapidement en vous donnant des exemples de situations qu'on peut mettre en place par exemple dans le primaire. On peut par exemple, vous le voyez à l'écran, hein, face à cet ordinateur, entraîner une machine par exemple à reconnaître des objets. Et si on est un peu malin, on va se dire ben, dans le programme scolaire, on nous demande de travailler le recyclage. Cette machine va avoir pour objectif d'apprendre à recycler. Et là, on va tirer le potentiel, c'est-à-dire qu'on va dominer l'intelligence artificielle parce qu'on lui a demandé de faire quelque chose qui va apporter une plus-value par rapport à la citoyenneté. Et l'enjeu, finalement, il est là. Si on veut dépasser le seuil de la passivité, il faut que les élèves comprennent qu'ils peuvent dominer l'intelligence artificielle. Et c'est un grand plaisir de la dominer. Ce sera repris par Thierry Viéville et probablement par Simon Collin tout à l'heure, mais cette approche critique nous amène à considérer des situations d'enseignement dans lesquelles on domine l'intelligence artificielle. Et je vous donne un autre exemple avant de libérer la parole. Je suis professeur de langue, et en effet, vous avez devant vous aussi un professeur d'anglais, langue étrangère. Qu'est-ce que je peux faire? Je me suis posé la question, moi, en tant que professeur de cette discipline, pour embarquer les enjeux éducatifs liés à l'IA. Ben, je vais, par exemple, m'intéresser au monde de l'art, dans lequel, aujourd'hui, on peut être assisté par une IA pour écrire. Et donc, je vais amener mes élèves, par exemple, à utiliser un traitement de texte qui travaille avec de l'intelligence artificielle et qui va me faire des propositions pour écrire un texte. Au bout d'un moment, ce qui est très intéressant avec ce réseau de neurones, justement, c'est qu'il va vous faire des propositions qui sont complètement à côté de la plaque. Et puis d'autres qui, à un moment donné, à force de lui injecter des données et de lui donner finalement ce qu'il souhaite, va commencer à vous faire des propositions très intéressantes en langue vivante étrangère. Vous avez tout à fait compris que ce professeur de langue va être réjoui à la fois de développer des compétences langagières de lecture chez ses élèves, mais aussi de compréhension, puisqu'il va falloir accepter ou rejeter les propositions que nous fait l'intelligence artificielle. Et donc, si on peut remontrer la diapositive, voilà des étudiants qui, en bas de l'écran, vous pouvez d'ailleurs flasher si vous le souhaitez ce QR code, ont partagé avec eux leur expérience vécue dans un cours de langue de cette domination de l'intelligence artificielle, et en particulier d'un réseau de neurones qui s'appelle GPT-2, qui est un réseau de neurones tout à fait ouvert, très connu. Hein. Et regardez par exemple ce que nous dit Nathan. Hein. « We fed the proper data for the GPT-2 to guide it in a certain direction. We drove it, we contained it to our ideas. » Autrement dit, j'ai alimenté GPT-2 de mes données, je l'ai guidé dans une certaine direction, et je l'ai contenu, je l'ai contrôlé. Cette expérience vécue-là vaut de l'or en classe. C'est-à-dire que si un élève, un étudiant est capable de vous dire « j'ai compris comment contrôler cette machine-là »,
Vous avez à la fois travaillé dans votre discipline, donc on est bien ici dans ma discipline qui est l'anglais, et en même temps, on a développé une certaine émancipation par rapport à cette machine. Voilà, je laisse la parole et puis je reviendrai peut-être un peu plus tard sur des éléments plus théoriques. Merci beaucoup. Donc après, oui, il va y avoir les rebondissements, régulation. Et là, on voit des usages créatifs du numérique. Laura Morales, donc, qui nous a rejoint donc, au labo, est en train justement de se pencher sur cette question-là pour se poser la question de dire justement quels sont les usages des solutions IA en classe. Est-ce que c'est juste des choses qu'on va utiliser telles quelles ou est-ce qu'il y a justement ces situations comme celle que Laurent elle a menée avec des futurs enseignants dans lesquelles il y a vraiment à la fois un côté agentif des élèves, donc ils font des choses, ils s'approprient des technologies, et en plus, ils l'utilisent dans des buts. Donc, ce n'est pas l'IA pour l'IA, parce qu'on s'en fout, en réalité, si ça ne solutionne pas d'autres choses, à quoi bon ? Donc, nous, la question de la question du purpose, de l'objectif, elle est toujours là en éducation. Donc, si ces solutions-là peuvent nous aider à résoudre des problèmes sociétaux majeurs, comme c'est des objectifs de développement durable, ou ceux qui sont liés aux difficultés éducatives. Et malheureusement, en éducation, on est un domaine dans lequel on a des problématiques de toutes sortes. On a encore des gros défis dans tous les domaines disciplinaires. On a des gros défis d'engagement et de réussite pour tous. On est un domaine dans lequel il y a un travail infini encore pour avancer dans cela. Et donc, on doit encore se poser la question de quelle manière on peut aborder ces éléments. Un élément, donc juste pour partager également, donc quel est également l'élément sur lequel, au niveau du Conseil culture et compétences numériques à l'INSPE de l'Académie de Nice, donc sur lequel on travaille, c'est également de se poser la question de la formation des enseignants. Ça, c'est un élément clé et c'est ressorti aussi aux États généraux du numérique. Les études PISA nous confirment également que les facteurs enseignants, c'est l'enseignant qui compte et hors des questions de penser qu'un jour il sera substitué, il sera éventuellement augmenté, soutenu par des technologies, mais jamais on va pouvoir modéliser un enseignant ni un apprenant complètement. Hein, donc ça c'est en tout cas un élément, voilà, c'est la science-fiction. Mais là-dedans, on doit se dire, bon, par où on commence, en sachant qu'en plus, la formation des enseignants, c'est peau de chagrin. On a une formation ultra réduite, homéopathique presque. Quelle est la pièce donc, qu'on va donc, apporter ? Et là-dedans, en fait, on se dit, il y a l'élément, on ne le voit pas très bien, mais c'est la pensée critique. La pensée critique, et ça, je pense qu'en France, c'est un des systèmes éducatifs dans lesquels la pensée critique, elle est très forte. Donc, elle est encore bien travaillée en classe. Et cet élément-là, dans lequel il va y avoir des enseignants qui vont se dire, est-ce que vraiment c'est intéressant ? Peut-être je ne veux pas l'utiliser. Ça, c'est bon. Nous, on est totalement confortables avec ça. Et même avec le fait que pas tout le monde adopte ce type de technologie. On n'a pas une monoculture. Nous, on croit à la diversité des approches pédagogiques. Et au fait également que les enseignants, une fois, ils se sont initiés. Thierry, on va donner bientôt la parole donc, pour le MOOC IAI. Donc, une fois, les enseignants, ils ont ces bases et ils s'approprient des éléments. Ils doivent pouvoir décider quoi mettre en place. Mais comme le soulignait Gérard Giraudon, il nous faut quand même des bases. Parce que sans les bases, on ne peut pas décider. Donc, si on ne sait pas qu'est-ce qu'un algorithme, si on ne sait pas même qu'est-ce qu'il y a, en fait, on peut penser qu'il peut avoir une pensée magique là-dessus. On ne peut pas prendre des décisions, on pourrait même se faire vendre des choses en espérant qu'ils fassent de la magie. Or, c'est surtout pas de la magie, il y a même des enjeux de données et des souverainetés de ces données-là et des protections des données des élèves qui sont très importantes. Donc, comprendre ça et développer aussi des compétences en lien à la pensée informatique, la capacité de résoudre des problèmes en faisant appel à des connaissances qui nous viennent du domaine informatique. Aujourd'hui, pour être des citoyens éclairés, on ne peut plus se passer d'avoir un minimum de formation à l'informatique. Il y a déjà des bons pas donc, avec SNT et NSI, mais on est loin encore d'avoir une formation pour l'ensemble des citoyens qui permettent d'avoir un éclairage suffisant
pour exercer pleinement sa citoyenneté à l'ère du numérique. Donc ça, c'est nos enjeux. Et pour cela, je ne sais pas si on peut mettre les slides. Donc pour cela, donc on est, c'est notre objectif. Donc dans ce groupe de travail créativité IA éducation, on a structuré en cinq sous-équipes. Donc juste pour ne pas rentrer dans, trop dans les détails, mais en tout cas demain, donc Solange Carteau va animer donc un des webinaires. Donc on organise régulièrement des webinaires avec un peu moins de moyens qu'ici, hein, n'est-ce pas? Mais on organise régulièrement des webinaires. Donc demain c'est Solange Carteau qui va aborder les sujets des traces, learning analytics. Donc quelles sont les traces d'apprentissage qui peuvent être utiliser et quelles sont les limites de ces approches-là. Et on vous invite donc à venir rejoindre et connaître ces différents éléments. Je passe la parole donc pour l'aspect régulation pour Laurent et on peut également projeter les slides. Oui, alors je vais poursuivre donc par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Hein. Donc on est en train d'imaginer finalement ces situations d'enseignement, d'apprentissage portés vers l'intelligence artificielle, hein, vers les enjeux de citoyenneté, nous ont amené à essayer de modéliser tout ça. Donc, on est en train de soumettre un article scientifique avec d'autres collègues hein, qui ne sont pas présents. Je pense à Jean-François Cessy ce soir, hein, qui travaille beaucoup sur ces problématiques-là, d'imaginer un modèle de la régulation pédagogique de l'intelligence artificielle. Donc, on vous le présente ce soir. Il est à plusieurs niveaux, vous avez compris. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de penser les enjeux éducatifs dans la complexité. Alors, quand on pense en recherche en termes de complexité, ben, tout le monde connaît Edgar Morin, hein, qui nous invite à développer toujours notre pensée le plus loin possible, au-delà des frontières, au-delà des cités. Hein, voilà. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va imaginer trois niveaux différents. Donc, le niveau de la classe, on l'a dit tout à l'heure, il faut bien prendre en compte les difficultés hein, que modifier sa pratique va entraîner. Un enseignant, il est dans sa discipline, on l'a dit tout à l'heure, et il a besoin d'être rassuré. Donc il va falloir travailler sur ces éléments-là. Il va falloir aussi développer, mais Simon Collin le dira probablement mieux que moi tout à l'heure, et renforcera l'idée en tout cas, c'est que eh bien, ces enseignants-là aussi, ils lisent des discours, hein, ils lisent des discours qui sont performatifs hein, sur le numérique et l'intelligence artificielle. Et donc ils vont rentrer forcément dans des usages qui ne vont peut-être pas leur amener exactement ce que les discours préconisent. Et donc... Donc, sur le terrain, on sait qu'on va avoir des soucis de ce type-là. Et évidemment, tout ça nécessite d'ouvrir sa pédagogie, d'accepter de la bousculer un tout petit peu. Je dirais même de s'ouvrir sur la culture. Hein. Si on regarde ce qui se passe dans l'art, je pense par exemple Ross Goodwin, qui était l'ancien ghost scripteur de Barack Obama, hein, par exemple. Ben, voilà, il développe aujourd'hui des machines qui font le tour des États-Unis et qui sont capables d'écrire des poèmes. Bon, ben ça, c'est fabuleux pour un professeur d'art, c'est fabuleux pour un professeur de philosophie, ben de s'embarquer, ne serait-ce que dans ce qui se fait aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le computational arts, hein, computational music, et d'aller dans des domaines qui vont amener à réfléchir de, finalement, les pratiques sociales et culturelles de mes élèves, elles sont liées à l'intelligence artificielle, et ça, je vais pouvoir déjà l'embarquer, même si je ne viens pas des sciences dures, même si je représente les sciences humaines et sociales, mais je peux faire quelque chose. Voilà. Déjà, ayons les deux pieds dans le monde dans lequel nous vivons, allons voir du côté des musées, des arts, des artistes qui utilisent, et je suis certain que beaucoup d'enseignants vont trouver des liens avec ce qu'ils font déjà, mais évidemment, en essayant de les faire évoluer vers ce qui se fait aujourd'hui au niveau de l'évolution technique. Et puis tout ça nous ramène, on l'a dit tout à l'heure, hein, vers des enjeux macroscopiques, hein, des enjeux de société. Et évidemment, l'objectif de l'école, hein, c'est de prendre les phénomènes, de prendre l'intelligence artificielle, de la désaccélérer un tout petit peu. C'est-à-dire on va prendre le temps de, on l'a dit tout à l'heure, de la comprendre. Mais on va prendre le temps surtout de la découvrir. Et puis on va prendre le temps de se l'approprier en mettant en place des situations spécifiques, voilà, qui vont permettre de s'approprier, de dire, par exemple, qu'en cas de Covid, ben, dans ma classe, avec mes élèves, je vais être capable de fabriquer mon propre système de, par exemple, de captation de l'oxygène, etc. Donc, ça peut se faire, hein, et ce sont des initiatives, donc des enseignants qui sont portés vers ces enjeux de société. Voilà. Donc ce schéma nous amène à considérer évidemment l'éthique, ça a été dit tout à l'heure, et puis pour compléter l'éthique, hein, cette régulation par la pédagogie, je crois que les deux sont liés finalement, les deux questions sont liées. Alors évidemment, elles sont traitées par deux,
deux conférences différentes, hein, une en fin d'année et cette année. Mais en fait, finalement, vous comprenez qu'en éducation, on traite aussi de ces sujets-là et on essaye vraiment de se relier le plus possible à cette ouverture, hein, culturelle. Vivre, voilà, comprendre la société dans laquelle on est, c'est déjà un grand pas pour beaucoup d'entre nous. Et quand les pédagogues s'intéressent à ce qui se fait, notamment dans le domaine de la culture et de l'art, eh bien, on arrive à créer de belles opportunités pédagogiques. Voilà, je rends la parole. Et on s'en va au Québec. Donc, Alexandre Lepage, il fait une thèse sur IA éducation. Et donc, il va nous apporter des éclairages également sur les domaines de l'IA en éducation. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, on te passe la parole et aussi les partages d'écran à distance. Merci beaucoup, Margarida. Donc, je vais vous présenter assez brièvement les différents domaines d'application de l'intelligence artificielle en éducation. Ça se détache un petit peu de l'éducation à l'intelligence artificielle, quoique les deux sont très interconnectés, là. Allons-y d'abord avec un premier domaine, l'évaluation et la correction automatique. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de littérature sur le développement d'outils qui permettent d'automatiser ou d'aider à la correction de certaines épreuves. Pour l'évaluation adaptative, on peut penser à des outils qui exploitent de vastes banques de questions et qui permettent d'adapter le niveau de difficulté des évaluations au niveau des élèves. Donc, ça permet aux élèves de progresser à leur rythme. Ça, c'est des usages qui sont plutôt bien implantés ou en tout cas qui sont amenés à se répandre assez rapidement. Ça fonctionne plutôt bien. Par contre, au niveau de la correction des essais, donc des épreuves plus complexes qui impliquent par exemple la rédaction d'un texte, il y a quelques expérimentations qui se font, mais c'est beaucoup plus expérimental justement à ce stade-ci, étant donné la complexité qu'il y a derrière la correction de texte. Et puis, il faut également souligner qu'il y a toute une dimension de l'évaluation qui peut être évacuée dans ce type d'expérimentation-là, à savoir la relation entre l'enseignant et l'élève qui intervient au moment de la correction. Donc, le fait que l'enseignant lise la production d'un élève, c'est quelque chose qui peut avoir une valeur pédagogique en soi. Deuxième domaine d'application, les robots conversationnels, ou chatbots, si vous préférez. Ça va se manifester par des systèmes, par exemple, de tutorat intelligent. Donc, on va essayer de répondre aux questions des élèves de façon automatique. Ça fonctionne plutôt bien pour des usages très, très, très précis, pour des tâches très précises, par exemple, certains contenus en mathématiques. Dès qu'on essaie d'élargir la portée ou le spectre des réponses possibles, c'est beaucoup plus hasardeux. Les réponses sont parfois moins pertinentes. On va également trouver des jouets intelligents, des robots qui peuvent interagir de façon ludique avec les enfants, par exemple. Puis voilà, des robots qui peuvent répondre à des questions simples, par exemple en enseignement supérieur sur les modalités d'inscription à un programme, les exigences d'admission, les préalables, etc. Prochain domaine, la prédiction et la prévention de l'abandon scolaire. Donc, beaucoup d'outils essaient de prédire la réussite à partir d'indicateurs. On va essayer d'agréger tout plein de données qu'on a sur les élèves pour prédire le plus tôt possible dans leur parcours les risques d'abandon scolaire. Naturellement, l'idée derrière ça, c'est d'intervenir le plus tôt possible dès qu'on détecte un abandon potentiel. Donc, il y a énormément d'usages expérimentaux, puis pas seulement expérimentaux, là, qui sont implantés à cet effet-là. Les résultats sont encore mitigés. Ça prend la forme souvent de tableaux de bord intelligents. Donc, un indicateur de réussite, par exemple, qu'on affiche à l'étudiant, puis des actions qu'on lui suggère pour améliorer ses chances de réussite. Prochain domaine, les difficultés d'apprentissage. Donc, c'est un domaine très, très vaste, plein d'usages qui peuvent servir à améliorer les conditions d'apprentissage pour certains types d'apprenants. Je vous donne un exemple très, très simple. Par exemple, pour un étudiant malentendant, on pourrait penser à un outil de prise de notes automatisé. Donc, ce sont des usages qui existent où on lui rapporte les notes et ça lui évite là, d'avoir à les prendre pendant le cours. Puis finalement, dernière catégorie qui est un peu moins de nature pédagogique, mais tout de même connexe, celle des usages administratifs et des décisions d'admission. On peut penser à des usages très techniques, par exemple l'assignation des locaux ou des horaires dans un établissement scolaire, l'évaluation des programmes de formation en enseignement supérieur notamment, ou des aspects de reddition de comptes. Puis finalement, de façon un petit peu plus, je dirais que c'est un usage plus sensible, le préclassement des demandes d'admission ou l'aide à la décision d'admission, surtout en enseignement supérieur. Donc voilà, j'espère que ça vous donne un portrait un petit peu plus concret des formes que peut prendre l'intelligence artificielle appliquée au domaine de l'éducation. Merci, Margarida.
Oui, merci beaucoup Alexandre et bonne nouvelle. Alexandre sera avec nous donc, ici sur les territoires donc, pendant 3 mois donc, dans les cadres d'une bourse Mitax donc, qui soutient les recherches entre le Canada et la France. Et on sera donc ravis de pouvoir l'accueillir à la fois au labo et à la maison de l'IA. Et on s'en va, on retourne donc ici, donc côté Sophia Antipolis, donc Antive, notre collègue Thierry Vieville, donc qui n'a pu pas être là présentiellement, mais qui est avec nous à distance et qui est l'un des personnes moteurs de cette MOOC Intelligence artificielle avec intelligence. Et au fait, voilà, même si il se pose la question de si les machines sont intelligentes, lui, il est intelligent, de mon point de vue. Ils ont su avoir l'intelligence de faire un MOOC avec humour. J'ai presque complété, donc désolé Thierry, j'ai pas encore arrivé au bout, mais j'ai promis d'y arriver. Et c'est juste génial parce que c'est vraiment avec humour. Vous allez découvrir la pizza à l'intelligence artificielle et d'autres éléments délicieux. Donc, c'est à toi, Thierry. Oui, ton introduction est très importante parce que vous voyez tous ces gens des sciences humaines et sociales qui, quelque part, prennent en main l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est au détriment des sciences inhumaines? Eh bien, pas du tout. Et le fait qu'une Margarita Romero dise justement « Moi-même, je suis en train de suivre le MOOC », c'est vraiment quelque chose d'important. C'est même encore mieux que si elle avait dit « Ouais, ouais, je l'ai suivi, vite fait, genre ». Non, non, c'est effectivement quelque chose qu'on apprend, et d'ailleurs, moi aussi, là, j'ai beaucoup de choses à apprendre dans ce MOOC. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre? Qu'est-ce que ma garagiste ou mon fleuriste a besoin d'apprendre? Eh bien, d'abord, un petit peu de culture scientifique, hein, vous l'avez sous les yeux, sur ce que peut-être l'intelligence artificielle ou ce que ça n'est pas. Quand vous écrivez un algorithme, vous-même, explicitement, est-ce que vous êtes en train de faire un mécanisme d'intelligence artificielle ou est-ce que c'est au contraire, au moment où vous vous mettez à programmer les choses en présentant des données à l'algorithme? Ça, vous le savez tous, mais ces mécanismes de base, eh bien, il faut que ça devienne concret. Et le défi qui a été relevé par ce MOOC, c'est qu'en fait, on ne parle pas d'intelligence artificielle, on en fait. Alors, vous l'ignorez, mais je suis dans un espèce de combat compliqué. Ah, voilà. Donc, les notions clés, la première, c'est que c'est des transformations très efficaces. Oui, si par exemple, vous faites des calculs numériques, vous vous doutez que votre calculette elle va aller plus vite que vous. Bien, aujourd'hui, si vous voulez trier des données, dans le sens le plus large du terme, vous savez qu'il y a des algorithmes qui, sans rien comprendre, vont aller plus vite que vous. C'est vrai pour la traduction, c'est vrai pour des tas de choses. Et ce que l'on apprend, c'est que plus la tâche est spécifique, et plus l'algorithme est efficace. C'est-à-dire que si vous rêvez d'un résolveur général qui vous résout tous les problèmes du monde, eh ben, il sera totalement inefficace. Il y a même un théorème, le No Free Lunch théorème, qui établit ça. Et c'est important de le comprendre parce que ça évite de se perdre dans des grands débats sur je ne sais quelle intelligence artificielle générale, puisque c'est vrai que si vous voulez faire un être aussi intelligent qu'un humain, je n'ai comme suggestion, bien entendu, que de faire des bébés. L'autre élément, c'est en soi un très très beau sujet, l'autre élément, c'est effectivement de faire comprendre qu'il y a une intelligence artificielle numérique qui est très à la mode en ce moment, au sens où cela a mené à des avancées technologiques vraiment efficaces, mais il y a aussi une intelligence artificielle symbolique, et elle est tout autour de vous, par exemple dans le web sémantique. Quand vous vous mettez à questionner vos moteurs de recherche sur le web, quand vous allez sur Wikipédia, ou quand vous allez sur des applications qui sont à la fois capables de vous donner la météo et des informations sur un lieu, etc., eh bien, il y a des banques de données qui se sont connectées entre elles et qui ont résolu un certain nombre de problèmes algorithmiques en utilisant des mécanismes symboliques. Voilà, je suis très bref. On y trouve ces choses-là. On y trouve comment comprendre et maîtriser ces mécanismes. Et puis, et ça, les copains des sciences humaines l'ont assez dit, on y trouve les moyens eh ben, de prendre la main et de construire les mécanismes qui nous intéressent.
Alors, concrètement, eh bien, par exemple, on joue avec un réseau de neurones. Donc, si vous savez programmer, ce qui va être le cas des générations qui sont en train d'arriver, vous pouvez écrire des lignes de code qui vous fabriquent un réseau de neurones qui vous permet de reconnaître des visages. Ce qui permet de faire. Mais si vous ne programmez pas encore de manière efficace, vous avez un peu, vous savez, comme Scratch qui permet d'apprendre à programmer de manière pratique, eh bien, vous avez un outil. Et donc, se former à l'intelligence artificielle, c'est vraiment aller programmer un réseau de neurones pour de vrai. Vous vous souvenez, quand Gérard nous disait en introduction, formation technique pour toutes et tous, pas très poussée, mais suffisamment, eh bien, d'abord pour se prémunir de ceux qui nous racontent des conneries, et puis aussi pour que cela prenne du sens. On le sait, et Margarida, tu l'as pointé aussi dans ton discours, qu'il n'y a pas que l'intelligence artificielle, il faut aussi apprendre l'informatique. Et c'est complètement étonnant, dès que quelqu'un a vraiment appris à programmer, c'est-à-dire à faire des séquences d'instructions, manipuler des variables avec des valeurs, etc., tout le blabla autour de l'informatique devient concret pour cette personne. Et puis, il y a quelque chose que nous aimons beaucoup, c'est d'éteindre les ordinateurs pour apprendre l'informatique. C'est vrai aussi pour l'intelligence artificielle. Vous êtes devant un jeu d'énigmes ou d'allumettes, genre « vas-y, retire deux, trois allumettes et après je le ferai, puis le dernier qui les retire ou qui les retire pas, il a perdu ou gagné, peu importe, il y a des variantes. » Et là, vous êtes devant une machine d'intelligence artificielle, donc alors plus con qu'une boîte avec des boules, c'est un peu difficile. Cependant, au fur et à mesure des échecs et des succès, eh bien, cette machine va se mettre à mémoriser les coups perdants, les coups gagnants. Et comme le jeu est simple, ici, au bout d'un certain nombre d'essais, erreurs, avec les boules rouges et les boules bleues, eh bien, cette machine va gagner tout le temps si elle est en mesure de gagner. Donc, il y a un petit mécanisme qui fait que je crois que c'est suivant la règle, c'est la personne qui commence ou celle qui ne commence pas qui gagne tout le temps. Donc la machine apprend cette stratégie gagnante avec rien, avec uniquement la mémorisation des bonnes données. Et ça, c'est quelque chose qu'on savait en informatique, mais qui prend tout son sens avec l'intelligence artificielle, c'est que finalement, il n'y a pas que les algorithmes. Il y a aussi la façon dont sont représentées les données qui conditionnent complètement ce qu'on peut faire avec. Et vous n'allez pas me croire, c'est exactement ce qui se passe dans le cerveau. C'est-à-dire que quand on essaye d'étudier les grandes fonctions cérébrales, j'ai la chance de travailler avec un gars dont c'est la spécialité, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, le cerveau essentiellement mémorise de manière la plus pertinente possible les souvenirs, les règles procédurales, les machins qui permettent de faire du vélo, etc., etc. Alors voilà, je voulais donner ces éléments et je vais donner quelques éléments de succès. Alors bon, il y a 31 000 personnes, j'ai regardé le chiffre, 561, j'ai regardé le chiffre en démarrant, qui aujourd'hui se sont formés, qui ont obtenu les certificats, qui au contraire y reviennent au fur et à mesure de leurs besoins, comme l'évoquait Margarida. Et on s'est demandé, bon, alors qu'est-ce qu'ils ont appris? Alors, ils ont appris des trucs techniques, cool, on est content. Mais puis on leur a demandé, mais finalement, quel était le plus important? Figurez-vous que la réponse nous a quand même un peu surpris. La réponse, c'est maintenant, on n'a plus peur. Oui, au début du MOOC, il y avait des gens qui étaient grosso modo pro ou contre. Y compris des gens qui croyaient que l'intelligence artificielle allait mener à une utopie avec un monde où les robots, je sais pas ce qu'ils vont nous faire, sauver la planète s'ils pouvaient. D'autres qui pensaient que c'était une dystopie et que les robots allaient éliminer l'humanité, ce qui est une option. On risque de le faire tout seul d'ailleurs, si on ne fait pas gaffe. Et donc, à la fin, bon, ils ont compris que ça allait pas se passer comme ça parce qu'il n'y avait pas de magie. Mais ils se sont dit, mais finalement, on a gardé notre opinion. Et ça, c'est tant mieux. Parce que quand on aide quelqu'un à développer son esprit critique, et ça, c'est exactement ce qu'on veut faire par rapport à l'intelligence artificielle, le but, c'est pas de le faire changer d'avis. Le but, c'est qu'il garde son opinion, mais qu'il comprenne ce qui est opinion de ce qui est réflexion là-dessus.
Et donc, on a obtenu ce résultat, ce qu'on considère comme notre plus belle fierté au sens anglo-saxon, qui est de se dire, eh bien, aujourd'hui, nos auditrices et auditeurs, nos participantes et participants à ce MOOC ont moins peur de l'intelligence artificielle au sens où ils en ont une vision plus rationnelle. Voilà, j'ai fait un peu moins de 15 minutes, mais comme on a beaucoup plus de 15 minutes de retard, je vais m'arrêter là. Je salue au passage, je vois Alain dans les commentaires, je vois pas tous les commentaires, pardon. Et effectivement, c'est bien le but, et c'est peut-être un préalable dans tous les grands sujets de société, que d'aider à combattre les peurs. À vous. Oui, merci beaucoup Thierry. Donc, on va accueillir Simon Collin. Simon Collin, donc pour les collègues qui sont en sciences de l'éducation, c'est monsieur approche sociocritique dit numérique à l'éducation. Donc, quand les gens deviennent technophiles, okay, là, il y a Simon qui arrive et qui dit attention. Et donc, il prend de la perspective et nous amène un éclairage qui est toujours super intéressant. Donc, il est aussi chaire de recherche du Canada. C'est une super truc. Donc, c'est type chercheur, mais genre plus, sur l'équité numérique en éducation. Et donc, il est aussi chercheur au CRIFPE. Donc, merci Simon d'accepter d'être avec nous et de nous partager donc, les aspects éthiques des l'IA en éducation. Merci beaucoup, Margarita, pour la présentation. Effectivement, je suis dans des perspectives critiques, éthiques, ce qui ne veut pas dire technophobe pour autant. Je vais avoir l'occasion justement d'y revenir. Hein. C'est, comme disait Margarita, c'est plus une vigilance critique qui m'intéresse finalement. Puis c'est comme ça aussi que je propose d'aborder l'intelligence artificielle sous l'angle des enjeux ici pour l'éducation. Je m'intéresse d'une manière générale aux technologies puis aux enjeux que les technologies suscitent en éducation. Puis pour moi, l'intelligence artificielle n'est pas une spécialité au même titre que Margarita, mais plus un cas de figure intéressant qui alimente cette réflexion sur les enjeux que suscite l'intelligence artificielle, les technologies en général, pardon, en éducation. Puis je vais commencer par revenir sur le terme d'enjeu parce que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, qui est au cœur de cet événement aujourd'hui, auquel je suis très content de participer et en même temps qui est riche de sens. Alors, je trouve que de commencer par ça donne justement matière à discuter. Margarita, au niveau du temps, n'hésite pas là, à me faire signe quelques minutes avant la fin parce que j'ai peur un peu de dépasser. Alors, pour le terme enjeu, si on commence, c'est vraiment un terme, là je l'utilise en tant que terme, pas concept, même pas notion scientifique, mais vraiment terme. Le Larousse nous dit que c'est ce que l'on peut gagner ou perdre dans une entreprise quelconque, okay, gagner ou perdre. Alors, si on applique cette définition à l'intelligence artificielle en éducation, ben, un enjeu, c'est finalement les opportunités et les risques que l'intelligence artificielle peut susciter en éducation. Alors, ces opportunités puis ces risques de l'intelligence artificielle en éducation, ils sont en interdépendance, donc on a rarement des solutions techniques d'intelligence artificielle qui sont que opportunités ou qui sont que risques. La plupart du temps, on a en fait à la fois des deux, des opportunités que l'intelligence artificielle ouvre et puis les risques aussi qu'elle suscite. Ces opportunités et ces risques que suscite l'intelligence artificielle en éducation, ils sont toujours potentiels par définition, en fait, hein, de sorte que l'intelligence artificielle en éducation, elle est ambivalente, elle n'est jamais complètement négative, jamais complètement positive, elle est toujours suspendue entre plusieurs alternatives possibles pour l'éducation, et chaque alternative pondère différemment les opportunités possibles, les risques possibles également, et donc la relation d'interdépendance entre les deux. Et puis, pour finir ce petit tour de piste là, du terme enjeu, la finalité générale, finalement, de s'intéresser aux enjeux de l'intelligence artificielle en éducation, c'est pas de dire « Ah, l'enjeu pourrait être négatif, donc il ne faut pas la développer », mais c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on arrive à profiter des opportunités de l'intelligence artificielle. Faut-il encore les déterminer autour de certaines valeurs qu'on se donne au niveau éducatif? Et comment est-ce qu'on arrive du même coup à réduire les risques possibles pour maximiser finalement les retombées de ces opportunités? Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que j'aborde les enjeux que suscitent les technologies et ici plus spécifiquement l'intelligence artificielle en éducation, dans un espèce de balancement entre opportunités et risques, dans l'idée finalement de tirer profit au possible des opportunités, de minimiser au possible les risques.
Alors, j'en viens maintenant à quelques constats de départ sur l'intelligence artificielle en éducation d'une manière générale. Alors, sur le plan pratique comme sur le plan scientifique, les efforts actuels de développement de l'intelligence artificielle en éducation se sont surtout centrés sur les opportunités. Donc, si on reprend notre définition du terme enjeu, on s'est beaucoup penché sur ce que l'éducation peut gagner avec l'intelligence artificielle et en toute logique, dans la mesure où effectivement l'intelligence artificielle est pertinente pour l'éducation dans la mesure où elle peut apporter quelque chose. Si elle n'apporte rien, elle n'est pas... en fait, pourquoi est-ce qu'on s'y attacherait? Pourquoi est-ce qu'on organiserait des événements comme celui-ci, par exemple? Donc, c'est bien nécessaire de s'intéresser aux opportunités. Par contre, on s'est un peu moins penché sur les risques. Autrement dit, en se focalisant sur les opportunités, on a des fois tendance à passer un peu moins de temps sur les risques possibles que l'intelligence artificielle peut susciter en éducation, donc à ce que l'éducation peut perdre finalement avec l'intelligence artificielle. Alors, la conséquence de cette situation-là, de ce débalancement, disons, entre les opportunités sur lesquelles on réfléchit beaucoup et les risques sur lesquels on réfléchit moins, c'est que généralement, on va tenter d'implanter l'intelligence artificielle en éducation sur la base des opportunités qu'elle peut apporter, avec raison. Je veux dire, il faut tenter et voir ce que ça donne. En revanche, on anticipe moins les risques et donc on se retrouve devant des problèmes qu'on constate. Faute de les avoir anticipés, faute d'avoir anticipé finalement les risques en amont, on se retrouve avec des problèmes constaté sur le champ de la pratique notamment. Alors, dans mon intervention, je vous propose d'aborder les enjeux de l'intelligence artificielle en éducation sous l'angle de quelques risques possibles. Je ne vais pas être exhaustif, loin de là. Et comme je le disais tout à l'heure, ça ne correspond pas à une position technophobe, mais c'est vraiment plus une vigilance critique, là, essayer de pondérer justement nos opportunités, nos risques. Et pour faire ça, ben, il faut arriver à identifier, disons, les risques possibles dans l'idée de mieux les anticiper. Pour ce faire, je vais me baser sur un projet en cours de réalisation. Il s'agit d'une revue systématique de la littérature sur les enjeux de l'intelligence artificielle en éducation sous l'angle des risques qu'on est en train de mener. Le « on » en question, c'est moi, mais c'est aussi Alexandre Lepage qui est présent ici, avec qui j'ai le plaisir de collaborer. Et puis, Léo Nebel qui a participé à ça. C'est un étudiant en ingénierie de l'intelligence artificielle qui a fait un stage à la chaire l'été dernier et qui a fait partie donc, de cette revue systématique de la littérature. En deux mots, une revue systématique de la littérature consiste à prendre les articles scientifiques existants ou les résultats existants au niveau scientifique pour essayer de les cumuler puis d'organiser finalement comme une méta-réflexion sur l'état d'un phénomène. Alors, les résultats en tant que tels de ce projet-là sont en cours, donc ils ne sont pas assez aboutis pour que je vous présente formellement quelque chose de très construit, donc c'est vraiment un aperçu que je vous présente à partir de quelques points. Peut-être le premier point ce travail-là qu'on mène, c'est qu'on se rend compte que les risques ne concernent pas l'usage de l'intelligence artificielle en éducation, mais vraiment l'interdépendance davantage entre la conception de l'intelligence artificielle pour l'éducation, les solutions techniques d'intelligence artificielle qui en résultent et ensuite les usages éducatifs qui en sont faits. Il y a certains usages qui vont pouvoir être spécifiques, certains enjeux spécifiques soit à la conception, soit à l'usage, mais la plupart du temps, les parties sont quand même liées. C'est ce que nous disait déjà Akrish en 1987. Elle disait, on ne peut pas pleinement comprendre finalement les usages des technologies si on ne prend pas en considération la conception de ces technologies parce que la conception forge un peu, elle conditionne dans une certaine mesure les usages qui en sont faits ultérieurement. Bon, c'est un peu la même chose ici avec l'intelligence artificielle. Ce qui se produit au niveau des usages est interdépendant de ce qui s'est passé au niveau de la conception. Donc, il s'agit de regarder les enjeux là sur une trame temporelle qui va de la conception jusqu'aux usages éducatifs. Deuxième point qui ressort de notre travail, c'est que les risques ne sont pas dus à l'intelligence artificielle en tant que telle, mais bien à la relation qui s'établit entre l'intelligence artificielle et l'éducation. Et c'est là qu'on a justement une ambivalence dans la mesure où il y a toutes sortes de relations qu'on peut imaginer entre l'intelligence artificielle et l'éducation. Et ça pose la question de quelle relation on veut poursuivre, donc quel rôle on donne à l'IA pour l'éducation, disons. Dans ce sens-là, les risques ne sont pas dus à l'intelligence artificielle, ils résultent de tensions possibles entre certaines dimensions de l'intelligence artificielle et certaines dimensions éducatives. Et ces tensions sont de différentes natures, puis c'est là que je vais lister un peu quelques exemples qui commencent à ressortir de nos résultats, mais qui ne sont pas finaux. On a repéré des tensions qui sont davantage ontologiques,
on pourrait dire. Alors, une première de ces tensions, c'est celle entre l'agentivité individuelle des acteurs éducatifs, Margarida en parlait, et l'automatisation technique de l'intelligence artificielle, par exemple. Alors, c'est le cas quand on ne permet pas aux acteurs éducatifs de questionner certaines décisions éducatives qui sont prises par des systèmes d'intelligence artificielle, ce qui veut dire que, par exemple, un enseignant perd un peu de son jugement professionnel dans la mesure où les décisions qui sont prises le sont par d'autres instances que lui et il ne peut pas nécessairement comprendre et donc juger si elles sont appropriées ou pas d'un point de vue pédagogique. Alors, c'est une première tension qu'on a notée au niveau ontologique, donc dans la nature même de l'acte éducatif et de l'intelligence artificielle. Une autre tension ontologique concerne la complexité et l'indivisibilité de l'expérience éducative et la standardisation et la spécificité technique. Comme le rappelait Thierry Vieville, il est certain que l'intelligence artificielle est bonne pour des tâches très circonscrites. Or, l'acte éducatif en tant que tel, lui, ben, c'est une expérience qui amène beaucoup de choses d'un coup, qui sont des fois difficiles à cloisonner. Et c'est dans ce sens-là que, par exemple, des données partielles recueillies sur un aspect éducatif précis, s'il n'est pas bien compris par les acteurs éducatifs, peut les induire en erreur dans les interprétations qu'ils vont faire de ces données partielles. Alors, il y a ici donc une tension entre complexité humaine et standardisation de l'intelligence artificielle. On a trouvé d'autres tensions qui sont cette fois-ci de nature politique. La première, c'est la tension entre la justice sociale que poursuit l'éducation, une fonction de démocratisation, si on veut, et les biais possibles que peut induire l'intelligence artificielle, que les biais viennent des données utilisées ou bien des équipes de conception qui produisent l'intelligence artificielle. Alors, on tombe sur les risques liés à la discrimination, et il y en a beaucoup qu'on connaît dans la littérature, discrimination notamment sur la base de la couleur de peau. Il y a des études qui ont été faites, pas tant en éducation de ce que je connais, mais il y en a sans doute qu'ailleurs, hors du champ éducatif. Discrimination aussi en termes de niveau socio-économique. L'intelligence artificielle repose sur des données. Qui produit ces données? Donc, généralement, les milieux éducatifs sont des milieux qui sont plus numériquement actifs lorsqu'ils sont privilégiés. Donc, les milieux moins privilégiés sont moins numériquement actifs, donc moins représentés. Donc, ça fait des sous-représentations, etc. Toujours au niveau politique, une autre tension est celle de la gouvernance de l'intelligence artificielle par les acteurs éducatifs et sa conception. Une partie des concepteurs de l'intelligence artificielle sont des compagnies privées. Et c'est correct. Je veux dire, il y a des partenariats tout à fait intéressants à aller chercher entre services publics au niveau de l'éducation et compagnies privées. Reste qu'il s'agit de savoir quelle place on donne aux acteurs éducatifs dans l'orientation des développements de l'intelligence artificielle. Et cette place-là est fondamentale, notamment pour qu'on puisse s'assurer que sont prises en premier plan les valeurs éducatives et non pas d'autres valeurs qui pourraient s'inviter au premier plan, mais pas à des fins pédagogiques, alors que l'intelligence artificielle en éducation, à mon sens du moins, a vraiment pour finalité l'éducation et non pas d'autres finalités premières. J'avance rapidement avec deux autres tensions qui sont cette fois-ci d'ordre moral. On a vu des tensions ontologiques, des tensions politiques, maintenant des tensions morales. Tension entre le besoin d'intelligibilité des acteurs éducatifs et l'opacité de l'IA. Puis on rejoint ici vraiment tous les constats relatifs à la formation des acteurs éducatifs à l'intelligence artificielle avec un très bon exemple de MOOC qui a été réalisé pour ça. Ici, on va retrouver les risques qui sont nombreux puis qu'on connaît bien liés au consentement des acteurs éducatifs par rapport à des systèmes d'intelligence artificielle qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, hein, qui ne sont pas toujours ouverts non plus. Autre tension morale entre le respect de la vie privée des acteurs éducatifs et la collecte de données, avec un point sensible particulièrement en éducation, puisque toute une partie des élèves sont mineurs, et donc se pose la question de savoir quelles données sont collectées, est-ce qu'elles sont nécessaires, pour quel but, et avec quel consentement de la part des élèves et de leurs parents. Donc, c'est tout ça, ça collecte là, des risques différents. Et puis, je termine avec une dernière tension qui est, elle, pédagogique, tension entre des logiques pédagogiques ou des dimensions pédagogiques et puis des dimensions techniques de l'IA. Ici, l'IA est capable vraiment de raffiner certaines modalités pédagogiques qui sont très intéressantes, comme par exemple l'individualisation des apprentissages avec des systèmes de tutorat intelligents qui peuvent guider les élèves à travers des parcours davantage personnalisés. Il faut veiller
Cependant, est-ce qu'elle le fasse en respectant aussi d'autres modalités et d'autres dimensions importantes, par exemple l'apprentissage social ou la dimension sociale qui est nécessaire à l'apprentissage, hein. Et donc ici, on a certaines dimensions pédagogiques qui ne vont pas toujours de pair ou qui sont peut-être moins facilement conciliables avec des logiques techniques. Rien d'impossible, mais simplement, il s'agit d'y réfléchir et puis de se positionner en conséquence. Dernier point, finalement, la plupart de ces tensions, on remarque qu'elles sont localement spécifiques à l'éducation. Il est possible vraiment de les retrouver en éducation, de les mettre en mots dans du vocabulaire éducatif, mais elles sont aussi transversales jusqu'à un certain point à d'autres sphères de l'activité. On pense à la santé, on pense à la politique, on pense à l'économie, on pense au transport, etc. Donc, il y a vraiment lieu sans doute à avoir une approche à mi-chemin, de cultiver l'interdisciplinarité pour pouvoir à la fois particulariser ces enjeux lorsqu'ils sont spécifiques à l'éducation et en même temps pouvoir s'alimenter et alimenter les enjeux tels qu'ils sont travaillés dans d'autres sphères de l'activité humaine. Finalement, pour conclure, j'ajoute un enjeu supplémentaire, pardon, c'est mes 15 minutes, de l'IA en éducation. C'est vraiment de lier davantage opportunités et risques, donc en veillant à ne pas les cloisonner, ils gagnent à être mis en dialogue. Alors, au niveau scientifique, on peut très bien se focaliser sur l'un ou l'autre, tant qu'on est en dialogue, justement, et que les communautés de chercheurs se parlent, comme on le fait ici aujourd'hui, pour à la fois parler des opportunités, à la fois parler des risques, et puis pouvoir finalement lier les deux. Au niveau pratique, maintenant, au niveau de la conception, notamment des systèmes d'intelligence artificielle, ici, je préconise pas que une équipe de conception se focalise juste sur les opportunités ou juste sur les risques. C'est davantage un mouvement commun, un accompagnement des opportunités et des risques. Donc, accompagner le processus de conception de l'intelligence artificielle, d'une réflexion éthique et critique, tout ça vraiment pour maximiser le système de tutorat intelligent et son apport à l'éducation, et puis de minimiser, comme je disais depuis le début, les risques. Voilà pour mon intervention. Je redonne la parole donc à Margarita. Merci beaucoup, Simon. Je pense que ça a été un voyage parce que là, en fait, tu as travaillé l'ensemble des perspectives, l'ensemble des dimensions avec les différentes tensions. Donc, voilà, je pense qu'avec Laurent, on était en train de se regarder, en train de dire waouh. Merci énormément. Et parce que c'est à la fois systémique. On ne peut pas simplifier les choses et au fait en éducation les choses sont complexes, donc c'est pas que les gens en éducation ne veulent pas avancer ou ne veulent pas faire les choses, c'est qu'il y a des niveaux de complexité très forts, et c'est que tu viens nous amener, nous pose sur la table tout cet ensemble d'enjeux sur lesquels on a hâte de lire aussi votre article sur cette révision de la littérature autour également des risques. On voulait aussi, donc, avant de la conclusion, faire une petite... se faire plaisir. Donc, avec Thierry Vieville, en fait, voilà, au départ, Thierry est venu au labo, au LIN, en se disant, tiens, comment les collègues en sciences de l'éducation peuvent porter un regard recherche sur les activités médiation scientifique. Et au fur et à mesure des échanges, on s'est acculturé, nous, aux approches neurosciences en éducation, et on n'est pas du tout expert là-dessus. Il y a Victoria Prokovieva et d'autres collègues qui sont experts là-dessus dans vos labos, mais en tout cas, c'était pas, moi, en tout cas, c'était pas cette base, mais on apprend énormément avec les collègues de l'équipe Nemosyne. Et on voulait partager donc, en quelques slides qu'est-ce qui peut aussi apporter ces approches d'apprentissage machine, ou en tout cas des approches computationnelles avec des données un peu plus massives que des petites expériences dans une seule classe, dans la recherche en éducation. Donc nous, en tant que chercheurs en éducation, on est face à pas simplement toutes les complexités que Simon Collant a mis sur la table, mais on est face aussi à tous ces enjeux que, voilà, est-ce que c'est qu'on va observer dans une classe ou qu'est-ce qu'on va observer sur les apprentissages qui sont réalisés à la Maison de l'intelligence artificielle lors de ces activités de médiation. Est-ce que ça pas simplement de la validité interne, est-ce que ça a de la validité externe, est-ce qu'on peut généraliser.
Et donc là-dedans, on est face à une tension très forte qui est celle d'également d'avoir assez d'évidence et des données et d'une qualité suffisante pour arriver à généraliser. Et donc, du coup, on est, comme Gérard Giraudon nous rappelait, il faut travailler ensemble. Donc, en sciences de l'éducation, on a nos limites. Donc, il nous faut collaborer avec les collègues en sciences du numérique. Autrement, on va rester à patauger sur nos petites données avec nos petites approches des pataugements sur des cas très concrets pour arriver à une approche computationnelle en sciences de l'éducation. Donc ça, c'est les paris qu'on a pris. Donc là, c'est juste quelques slides, mais je vais être rapide. Et donc, on est à la croisée. Et ça, c'est quelques labos de recherche au niveau international qui sont en train de prendre cette volée. Donc, je pense à l'EPFL et aux travaux que Francesco Mondada est en train de Pierre de Lambourg sont en train de développer aussi bien dans l'équipe de Francesco que de Pierre de Lambourg. C'est l'EPFL autour des sciences numériques qui aborde les côtés éducation. Et pourquoi pas, je pense que c'est un très bon exemple, ou encore l'équipe de Sanna Garvela en Finlande, ce sont des collègues qui se sont dit les sciences de l'éducation ne peuvent plus se passer des numériques. On ne peut plus se passer de ces opportunités-là pour avancer la recherche dans notre domaine. Mais ça implique repenser les compétences et se dire que c'est tellement un domaine riche qu'on ne peut pas être compétent en tout et donc qu'on doit combiner des compétences qui sont à la fois en sciences du numérique, computer science, qui sont aussi sur la modélisation des connaissances. Hein, j'ai une pensée également pour les collègues qui sont en knowledge management et qui sont dans ce côté modélisation des connaissances. Mais également donc, tous les volets éducation, car en éducation, on n'est pas pénible, on est simplement en train de reconnaître que les choses sont complexes. Donc, pour faire ça, on doit commencer quelque part, et nous, les paris qu'on s'est donnés depuis le début du projet ANR CREAMAKE, ça a été de dire, OK, étant donné que les phénomènes sont complexes, prenons une tâche sur laquelle c'est un phénomène qu'on veut analyser, une tâche de résolution créative des problèmes, mais réunissons des personnes qui ont des compétences plurielles pour arriver à mieux comprendre un phénomène et accepter que peut-être chacun a sa vérité dans ses propres postulat épistémologique et dans ses propres approches méthodologiques. Okay, donc voilà, on ne va pas citer tous les éléments, mais on a vraiment plaisir à pouvoir avoir les regards des différents collègues sur ces différents domaines. On utilise donc des technologies interactives tangibles. Bon, c'est un gros mot pour dire qu'on utilise des robots, des robots pédagogiques, hein, parce que c'est fun. Donc voilà, nous on assume. Il y a une collègue qui a dit. C'est fun, donc voilà, et parce que pourquoi. Bon, c'est déjà complexe à l'université, donc pourquoi on se ferait du mal à faire de la recherche qui n'est pas fun. Donc voilà, c'est une raison qui pour moi est assez valable. Donc on pense une activité qui est une activité d'apprentissage par les jeux, d'une durée assez limitée, avec un nombre de probabilités de résolution et des démarches de résolution qui sont limitées, parce qu'autrement on ne s'en sort pas. Et à partir de là, donc, on analyse cette tâche en la modélisant et en engageant à la fois, là Thierry parlait, donc Frédéric Alexandre, donc, il a un modèle de l'apprenant, et les collègues en neurosciences computationnelles ont cette ambition de modéliser les grandes fonctions du cerveau humain en se disant que d'un cerveau à un autre, oui, il va y avoir des différences, mais il y en a quand même quelques processus qu'on pourrait considérer donc similaires. Et là-dedans, nous, en éducation, on vient dire, oui, mais les approches socioculturelles, on n'est pas qu'un cerveau, on est un cerveau dans une société, on est un cerveau dans un système éducatif, on est un cerveau dans un groupe social, et tout ça, c'est aussi important, donc il va falloir aussi modéliser la tâche, modéliser les aspects liés à la culture, aux connaissances préalables, etc. Et il va falloir ensuite analyser l'activité, pas uniquement d'un point de vue des observables, mais également, et ça, Laurent Geyser, c'est une spécialité, donc l'expérience vécue, qu'est-ce que la personne nous dit d'elle-même, mais également essayer d'automatiser, parce que, comme les collègues en sciences et numériques nous disent, on est des fous qui passent la journée à analyser des vidéos, et puis si un jour on peut automatiser certaines traces, ça serait totalement gagnant. Un travail donc, qui a été fait, on remercie Otesia et les soutiens donc, côté Université Côte d'Azur, ça a été la modélisation par les biais d'une tonontologie. Et donc Thierry pourra vous parler donc, de cette,
cette défi scientifique de combiner des approches symboliques avec des approches de des approches d'apprentissage machine. Donc, d'un côté, avoir de la donnée de qualité bien structurée en base à des modèles d'enseignement et d'apprentissage, et d'un autre côté, avoir des données suffisamment importantes pour pouvoir mouliner là-dessus. Et donc, là-dedans, donc, Chloé Mercier, donc, une doctorante brillante qui travaille sur les projets Artificial Intelligence Devoted to Education, donc, est en train également d'avancer sur cette modélisation à la fois de l'apprenant, du côté observateur et du matériel qui est ici présent. Et on n'est pas les seuls à aborder ces aspects. En fait, la communauté internationale, elle est là-dessus. Et on est dans des contextes dans lesquels la combinaison des data streams, donc des données, des types processus sur le long de la tâche des différentes natures et leur interprétabilité combinée est vraiment un enjeu de recherche super important. Donc, je ne sais pas si Thierry, je dis des bêtises, sinon n'hésite pas à me reprendre. Il y a peut-être deux éléments à partager. Le premier, c'est que là, l'intelligence artificielle est utilisée à rebours. C'est-à-dire qu'on se pose une question fausse, qui est dans quelle mesure les modèles d'intelligence artificielle qui font de l'apprentissage machine, en l'occurrence, pourraient s'appliquer à l'apprentissage humain. Notez au passage, modèle symbolique et numérique. Alors, la réponse, c'est que ça va assez vite buter. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce que tant que ces modèles prédisent assez bien l'apprentissage humain, c'est qu'on est sur des mécanismes un peu rudimentaires. Et c'est le moment où ces modèles vont être questionnés au sens anglo-saxon que là, on va peut-être pouvoir faire avancer les choses des deux côtés. Deuxième remarque, les copains des neurosciences ne nous ont pas attendus. C'est-à-dire que cela faisait déjà plusieurs années dans plein de secteurs comme la sélection de l'action dans les ganglions de la base, et je vous en passe, c'est des meilleurs, où des modèles de machine learning au sens large sont confrontés aux réalités biologiques pour servir de modèles prédictifs et de modèles falsifiables, si je peux utiliser le réfutable, voilà le mot français exact. Voilà mes deux petits commentaires. Et avec cette citation de Popper, je pense qu'on a la transition parfaite aussi pour passer la parole à Ludovic Di Vaggio, donc, qui dirige Otesia, donc l'observatoire sur l'IA de l'Université Côte d'Azur. Merci Margarida. Alors, puisque j'ai la chance de conclure cette formidable présentation, en fait, je vais vous dire un peu ce que j'ai appris. Et je suis très content qu'on ait commencé l'année par une conférence sur l'IA et l'éducation, parce qu'on a pu voir un ensemble d'enjeux qui, en réalité, vont se retrouver dans énormément de domaines. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que parmi tous ces enjeux, l'enjeu essentiel, c'est aborder l'intelligence artificielle avec confiance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, avant tout, être capable de maîtriser, de comprendre, et aussi de prendre conscience des tensions. Et donc, c'était formidable de voir l'ensemble des tensions qui ont été évoquées. Et effectivement, on va retrouver ces tensions qui vont être en réalité à la source de la complexité, parce que la difficulté, c'est qu'il est très difficile de séparer les opportunités des risques. Pourquoi ? Parce que souvent, les risques sont associés à ces opportunités. Si je fais un jeu vidéo, il est de plus en plus performant, donc de plus en plus intéressant, de plus en plus utile, et en même temps, il est de plus en plus addictif. Et donc, ça pose d'autres enjeux qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender. Et donc, l'enjeu, si j'ai bien compris, c'est de développer l'esprit critique. Et j'ai beaucoup aimé ta formule quand tu dis que l'enjeu pour développer cet esprit critique, c'est permettre à tout le monde, c'est-à-dire former, informer l'ensemble des citoyens pour exercer leur citoyenneté, pour leur permettre d'exercer leur citoyenneté. Et bien, je crois qu'on est là dans le cœur de l'enjeu et de la mission de ce qu'est Otesia, et que cette mission, elle est partagée à la fois avec EuropeIA, avec la Maison de l'Intelligence Artificielle, mais avec le 3IA dans son ensemble. Et donc, c'est à ça qu'on travaille. Donc, Otesia, pour conclure, c'est un observatoire qui
qui a pour ambition de traiter des sujets de société, c'est-à-dire d'économie, d'éducation, d'éthique, de juridique, etc. Donc, qui a développé un certain nombre de thèmes, qui va utiliser les expertises qui sont vraiment riches sur le territoire, comme tu as pu le dire, qui sont diversifiées. Et donc, on a sélectionné un certain nombre de thèmes. Donc, il y a éducation, mais on travaille sur l'éthique, le droit, la santé, mais aussi les enjeux stratégiques, économiques, industriels de la technologie. Et on va développer un certain nombre de projets, on va développer un certain nombre de traductions d'articles d'experts, que ce soit des experts scientifiques, des experts des entreprises. Et on a l'ensemble de l'écosystème qui travaille avec nous pour permettre à chacun d'accéder à cette expertise. Et puis peut-être aussi de se faire l'écho de l'ensemble des travaux qui sont faits à travers le monde sur l'impact de l'intelligence artificielle et donc donner accès à ce savoir pour tous les citoyens sur le territoire. Donc là, les premiers travaux auxquels vous pourrez accéder, à travers le site notamment d'Otesia, c'est tout ce qui concerne le cyberharcèlement à l'école. On a donc le rapport que tu as mentionné sur l'IA et l'éducation qui va être mis sur le site très prochainement. On a un rapport aussi qui est en train de sortir sur l'IA, les technologies et les positions stratégiques des pays dans le monde. On a un travail qui est en cours sur l'IA et l'emploi. Et enfin, on a un travail sur le numérique dans les EHPAD. Et très prochainement, vous aurez accès à tous les travaux qui sont faits. J'espère par exemple qu'on pourra voir le livre blanc de l'INRIA sur le site. Il y a un travail qui a été fait aussi par les entreprises territoriales sur le livre blanc, un livre blanc pour l'usage de l'intelligence artificielle. Bref, l'objectif vraiment, c'est de vous permettre non seulement d'accéder, mais pourquoi pas de contribuer aussi et de participer au débat citoyen autour de l'intelligence artificielle. Voilà, donc je vous invite à nous retrouver à la fois sur le site et puis sur les prochaines conférences organisées par Europia et l'intelligence et la Maison de l'intelligence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais prendre les tiens. On a, je dirais, 10 minutes pour quelques questions. J'ai reçu déjà via les téléphones les questions du public. Et la première qui est venue, c'était pour Monsieur Giraudon. Vous avez parlé, quand vous avez commencé, éducation au numérique, éducation avec le numérique. Est-ce que vous pourrez un petit peu plus expliquer ça ? Oui, bien sûr. Vous m'entendez ? C'est bon ? Donc, je peux vous expliquer. Donc, on fait cette distinction parce que derrière le mot numérique, en fait, c'est une espèce de boogie-booga où tout est mélangé. Et si vous voulez, le numérique, c'est à la fois une science, c'est une technologie, c'est une industrie, c'est une économie, et puis c'est maintenant une culture. Et donc, le mot numérique, souvent, il y a des batailles, oui, voire des polémiques, sachant que les gens ne parlent pas tout à fait de la même chose. Et donc, typiquement, la première base, c'est la distinction entre la formation au numérique, et pour faire très très court, c'est l'algorithmique, les données, les langages de programmation, qui s'incarne grosso modo dans du logiciel. Quand vous écrivez un logiciel, vous faites de la formation au numérique parce qu'il a fallu absorber un certain nombre de connaissances pour écrire ce logiciel. Et je voudrais juste insister sur un point, le logiciel c'est une œuvre de l'esprit. Quand vous écrivez comme un livre. Donc c'est une œuvre littéraire. Mmh. Évidemment, derrière, elle est votre projection de votre imagination, de votre pensée, dans un langage, qui est évidemment un langage très particulier, mais c'est un langage comme dans toutes les langues. Et la magie, c'est que vous faites retour chariot, et cette œuvre de l'esprit devient un objet technique qui peut avoir un effet sur le monde. Parce que ça devient un objet compilé qui part, évidemment, vous pouvez faire avoir une interaction dans le monde physique ou le monde virtuel. Donc la formation au numérique, c'est la compréhension des bases qui fait que vous êtes capable d'écrire un logiciel et le comprendre. La formation par le numérique, c'est la capacité à ce que les acteurs de n'importe quel métier s'emparent des outils pour en faire quelque chose pour leur métier. Et donc, je voudrais insister sur un point qui est Gilbert Simondon, qui est un philosophe français des années, qui est né en 1924 et qui est mort en 1989, qui était un des grands philosophes français de la technique,
même mondiale. Il n'y a pas beaucoup de philosophes qui s'intéressaient à ça. Ce qu'il a dit, c'est que toute invention technique est une invention humaine qui est née dans une société et qui transforme par son effet technique la société dans laquelle elle est. Elle a un effet technique, un effet dans la société, un effet sur les marchés, un effet sur la culture. Et donc, du coup, ces processus de transformation sont importants parce que si vous n'êtes pas capable de les comprendre, vous êtes aliéné à cette partie technique. Et puis, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est un grand processus de compréhension. Et donc, on peut dire que l'invention des pierres techniques, l'invention des pierres taillées, est une invention technique qui a créé les peuples de chasseurs-cueilleurs. Ah, merci. L'invention de l'agriculture, qui a pris certainement plusieurs siècles, et de la domestication, a créé les villes. Okay, donc, un impact majeur. L'invention de la machine à vapeur a créé la société moderne. Parce que l'invention de la machine à vapeur, c'est une invention technique qui a créé l'industrie. Donc, ce que nous affirmons, c'est que l'invention du numérique est du même ordre d'impact sur la société. Donc, nous sommes dans peut-être plus. Et peut-être plus, parce qu'il s'agit d'intelligence. Okay. Et derrière, Simondon insiste sur deux éléments, c'est que toute invention technique crée un outil. Le premier, je vous ai parlé des pierres taillées, vous pouvez faire un arc, vous pouvez faire une flèche. Et donc, c'est en gros une extension du corps. Donc, on renforce le corps. Ouais. La deuxième invention, c'est les instruments. Un microscope, un télescope, etc. Ou la capacité, le téléphone est une invention de ce même type, c'est la capacité d'avoir une extension de ses sens. Okay. L'informatique, c'est une extension de votre cerveau. C'est une extension de votre intelligence. Mais ça reste un outil. Par rapport à ce qui a été dit sur les enjeux et les risques, l'invention technique, elle sent pas, elle doit être, disons, capacité de fabriquer des outils, mais c'est les humains qui, après, décident de quel outil ils vont se servir. Et donc, la formation par le numérique, c'est la capacité des gens à bien utiliser la partie technique pour faire en sorte d'augmenter leur intelligence. D'ailleurs, même le mot intelligence artificielle a fait débat. On fera mieux de revenir aux fondamentaux, qui est, en gros, c'est l'intelligence augmentée. Parce que l'homme doit rester au centre de la matrice. Au cœur de tout ça. Au cœur de tout ça. Donc voilà la distinction. Merci beaucoup. Haut et bas. J'ai deux questions. Si vous me donnez une réponse courte, on pourrait les faire les deux. Laurent, la question qu'on nous pose est... À quel moment on commence l'éducation ? Au primaire ? Au collège ? Qu'est-ce qui est votre avis ? Asseyez-vous là, tranquille. Merci. Alors, plus on commence tôt, hein, enfin, en tout cas, mon avis compte peu. Hein, enfin, ce qui est important, c'est de voir sur quelle littérature on s'appuie, mais en tout cas... La littérature semble concordante pour dire aujourd'hui que plus on commence tôt cet apprentissage, c'est-à-dire dès l'entrée en maternelle et peut-être même avant, pourquoi pas, et plus on va développer ce que disait M. Giraudon, hein, ses habiletés techniques, quoi. C'est-à-dire que cette question de l'émancipation, elle commence dès le plus jeune âge. Donc la réponse la plus courte que je peux faire ce soir, c'est de dire il existe des pédagogies, enfin une pédagogie critique qui démarre dès la maternelle. On a des collègues qui savent très bien faire ça. Mitch Resnick, l'inventeur de la plateforme Scratch, nous le dit, hein, d'ailleurs. Hein, on doit aller chercher cette créativité chez les élèves dès le plus jeune âge. Les professeurs en maternelle savent le faire, ils savent travailler en atelier. Ils pourront aussi le faire avec l'intelligence artificielle et la pensée informatique. Voilà. Merci. Une dernière question pour Margarida. Est-ce qu'on est prêt pour avoir... l'enseignement de l'IA dans les primaires. Et, deuxième question, mais qui va ensemble, toute la recherche que vous êtes en train de faire, comment il est passé à l'éducation ? Parce que les enseignants sont encore peut-être pas bien préparés. De quelle façon on pourra passer la grande quantité du savoir, des connaissances que vous nous avez exprimées dans la réalité de l'école? En fait, c'est relativement simple. En fait, on doit toujours être en train d'apprendre et on ne saura jamais assez et on ne sera jamais assez expert. Donc, un, c'est bien de se réseauter. Donc, il y a quand même tout un ensemble
des partenaires Canopée, l'Acardie, la DRAN, des collègues qui sont prêts à aider. Donc, on n'a pas besoin de tout connaître, on a besoin de se placer en mode apprentissage permanent. Donc ça, c'est un élément. Et l'autre, c'est pas se sentir seul. Voilà, pas aborder ces éléments d'une manière isolée. Donc, moi, je me dis, au fait, il faut pas demander aux enseignants de devenir des super-humains. Voilà, on est tous des personnes avec un cerveau qui ne peut pas tenir au-delà d'une certaine capacité. Mais par contre, on peut mettre en place des écosystèmes et des communautés bienveillantes dans lesquelles on peut se dire, voilà, on apprend. Quand on teste des choses, avec Laurent, on a cette côté tolérance à l'ambiguïté, qui est celle de dire, on va essayer, probablement on ne va pas réussir la première fois, on va se faire aider même de nos étudiants. Donc, moi, mes étudiants, je leur dis, voilà, moi, je suis très nulle en numérique. Je dis, ah bon, oui. Mais moi, je sais des stratégies, donc je peux vous guider dans les critères de choix. Et donc, c'est aussi savoir demander de l'aide, c'est peut-être la compétence clé, et être toujours ouvert à l'apprentissage. Et juste un petit élément, c'est qu'il y avait un collègue qui est le doyen de la faculté d'éducation Helsinki. Je lui demandais, est-ce que vous êtes content des résultats PISA? Bon, c'était il y a quelques années. Et il me disait, oui, mais au fait, on s'en fout. Nous, ce qu'on fait, c'est être en bêta permanent. Donc, être en bêta, ben, ceux qui sont en informatique, c'est processus permanent d'amélioration. Et c'est cette philosophie en éducation qui est importante, c'est se dire qu'on est dans des systèmes d'activité dynamique dans lesquels, en fait, on n'a jamais fini d'apprendre de nos élèves, de continuer à s'approprier des outils et des instruments. Et ce qu'il faut développer, c'est les conditions pour que n'importe quoi qu'on nous met en face, on sache qu'on est assez bien outillé et assez bien entouré pour se dire, même pas peur, on va y arriver. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut terminer notre conférence ici. Je voudrais remercier vraiment les panels. Je l'avais dit qu'il était un panel exceptionnel, mais aussi les intervenants du Québec, parce qu'ils ont été très aimables, et M. Vierville, si je pense, je ne sais pas si je prononce bien, oui, Vierville, qui était encore en ligne. Et je voudrais terminer avec mon sommaire de tout ce que j'ai appris. Il faut des étudiants bien préparés pour avoir des citoyens éclairés. Et je pense que ça, je dirais, c'est le sommaire de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être là. Et à la prochaine.